Yo les amis, c'est Standard Delish, on se retrouve sur FIFA 19 pour la deuxième partie de la Carrière Manager. Donc je fais un petit stream d'aller de une demi-heure, trois quarts d'heure, pas plus avant d'aller taf. Donc voilà, bah c'est parti. Nous allons continuer la carrière. En espérant que la manette fonctionne, logiquement oui, je l'ai testé. Carrière joueur, voilà. Carrière manager, pardon. Voilà. Alors, j'ai revendu Poco à Gagne, ils sont premiers dans le classement. Ok. Bon, c'est peut-être pas grâce à Poco, mais bon. Voilà quoi. Bon, il nous fallait notre DG. Donc, on m'a dit Bolingoli. Mais moi, je pensais plutôt à Macha Bidule. Bon, après, il y en a deux après. Mais vu que je connais pas son nom comme ça, je vais aller vite voir sur internet. Désolé pour le petit retour Windows. Toc. Tac. Tac. Voilà, les pépites. Donc nous avons les pépites, les 46 pépites de FIFA 19. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien des pépites qui se retrouvent sur FIFA 19 en Career Manager. Donc, j'espère que le son fonctionne, oui c'est bon. DG. Velanzu, ah oh, non, lui ça sert à rien. Boscagli, j'étais sur Boscagli ou Zinchenko. Manchester City, bon, on va aller voir ce qu'il vaut. Zinchenko. Voilà. Alors, on va aller voir un petit coup Zinchenko. DG, il a 21 ans. Et apparemment, il a un énorme potentiel, il monte vite. Après, à mon avis, il doit sûrement coûter cher, vu qu'il joue à City. Accueil transfert. Quoique, il m'a l'air meilleur, Boscagli. 4 étoiles, mauvais pied quand même. Je pense que je vais plutôt partir sur lui. Je pense que je vais partir sur lui. Maintenant, combien? 2 500 000. Et lui? Lui, il n'y a pas d'info, lui. Par contre, ah, il y a un œuf qui a été rejeté. J'hésite. J'hésite. Zinchenko ou Boscagli? Bon, pire, on va essayer d'aller chercher Boscagli. Non, entamer les négociations. Voilà. Alors, Boscagli 20 ans de Nice, valeur actuelle 2 500 000. Donc, on va essayer de l'avoir un peu pour moins. Je leur propose 1 900 000, on va voir ce qu'il va me dire. J'espère qu'il va pas partir au courant. Voilà, 2 150 000 avec 4%, d'accord. 4% de clause de revente, ok. Chaud, hein.
déjà modifié la clause. Voilà, 21%. C'est du bon montant. Ok, ben voilà, on a Boscagli. Bon, on a Boscagli, mais c'est pas encore fait. Hein. Il faut maintenant aller négocier avec le joueur. Oh, j'espère qu'il va pas me demander un salaire trop élevé là. Ah, il veut une rotation, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi je pensais que. De toute façon, rotation, moi j'ai toujours joué plus. Enfin, après, ouais, rotation, c'est bien. Allez. Merde, ma manette. Non, c'est bon. Ça va, tranquille, joueur de rotation, c'est pas mal. Hein. Il a 20 ans, moi, il freine la rotation avec Mionk. Les deux peuvent progresser. Pour du F1, je privilégierai plus. Ça me paraît correct, 4 ans. Ah, mon jet-ski a quand même un souci. Ok, mon client ne cherche pas à ajouter de clause. Bah, ça tombe bien, nous non plus. Ça tombe bien, nous non plus, on veut pas de clause libératoire. 4 ans. Salut Roro. Bon, ça va, ça va, tranquille. Bon, on va accepter 6 900 de salaire en 4 ans, ouais, c'est pas mal. T'en penses quoi, Roro, toi, du nouveau DG? Un jeune espoir de Nice que j'ai acheté. 2 200 000. Et j'ai revendu Poco. De quoi attends? Un conseil. De quoi attends un conseil? Retire les primes. Hein? Oh, mais s'il va peut-être refuser, hein? Si je retire les primes, il va refuser à mon avis. Hein. Il augmentera son salaire. Ok. Mais tu perds moins d'argent. Bon, au pire, Poco, il avait un salaire de 12 000, donc je peux lui augmenter un petit peu, non? Je sais pas, à 9, à 8 900? Non? Bon, on va voir. Bah voilà! Salut Yuha! Bienvenue à toi! Bah voilà, t'avais raison, il augmente son salaire. À 7,2, donc ça me convient, c'est parfait. Voilà, accepté. La nouvelle recrue de Vettel arrive au standard. Voilà, c'est bon. Donc lui on a plus besoin, lui on a plus besoin, lui on a plus besoin. Hop, c'est parti. Donc on va dans l'équipe maintenant. Boscagli, là. Il est là. Sinon, j'ai acheté 1000 Svilar. Il joue quel poste? Parce que je sais pas, Lestienne, je sais pas si je vais le faire jouer. Gardien. Oh, mais moi, gardien, j'ai acheté lui. Attends, il est où? J'ai acheté ce jeune-là. Un jeune espoir. Fritsch, du Bayern Dominique. Fritschel.
C'est un jeune espoir du Bayern. Il monte vite apparemment, donc je me suis dit pourquoi pas. Après, tu. Il y en a plein qui me disent d'échanger Carlinhos contre Benavente de Charleroi. Je sais pas si tu le ferais, toi. Un échange Carlinhos-Benavente. Live crash mort de rire. Ah. Tu vois plus rien? Tu vois plus rien dans le live? Non, si, c'est bon. Moi, ça tourne. Moi, ça tourne. Ah. Donc, je disais. Est-ce que t'échangerais. Est-ce que t'échangerais. Je bug. Mais non, c'est toi qui bug. Lol. Est-ce que vous échangerez Benavente de Charleroi contre Cardinals? Il y en a plein qui me disent oui, il y en a d'autres qui me disent non, donc je sais pas. Ou je laisse Bastian MOC et Cardinals sur le banc. Totalement quoi? Échanger? Cardinals Benavente? On va aller voir alors. Hein. C'est parti. Hein. Ok. On va aller voir s'il est d'accord. Benavente, où? Voilà. 24 ans. Ok, il est déjà parti le mec. C'est une blague. Ah non, il a été prêté au stade de Reims. Oh les cons. Oh les cons, il l'a prêté au stade de Reims. Par contre, Aimon dans le jeu, je le trouve pas top. Orlando de ça, il est mieux. Donc, je sais pas si je le revois ou pas. Goru, pareil. À mon avis, Goru, je vais le garder. C'est l'enfant de la maison. Hein. Sauf si Rouspet, on le vendra. Gilles est pareil. À mon avis, je vais le revendre lui. Vu que j'ai le Fritsch. Lushkevich, à mon avis, je sais pas. Ou alors Lushkevich, je vais le garder. Pour jouer les coupes. Et je vais mettre en prêt Balikwisha. Ouais, faire ça, je crois. C'est où? Voilà, accueil équipe. Alors, gilet. Ajouter. Felix Avanda Goreux. Forme faible, morale heureux, ok c'est parfait. Une diama, très heureux, ok. Van de Zden, content, ok, on va le faire un peu jouer lui. Bocadi, Bocadi il est en prêt déjà. Ah ouais, il est en prêt. Agbo va garder. Lui on va le mettre en prêt. C'est bon, il est déjà sur la liste. Marine, Bastien, c'est là qu'on va le mettre en prêt aussi. Carlina, ça leur va? Eh, Roro. Enfin, je sais pas si c'est Roro qui est sur le live, si vous êtes toujours dessus. On revoit Carly. Ah, bah, ouais, il a 24 ans quand même. Hein. Mike est en prêt aussi. Bah, je sais pas si je trouve meilleur que Carlinhos. Peut-être changer. À voir. On va peut-être le garder. On verra bien au mercato hivernal. Ouais, c'est ça. On va le laisser sur le banc. On le fera jouer de temps en temps la coupe. Ou à la fin du match. On le fera jouer. Bon, gilet, je l'ai vendu. Enfin, je l'ai mis sur la liste. Ensuite. Ah, je voulais faire un truc.
Trossard de gang, mais ouais, mais il joue à gauche lui. Trossard, il joue à gauche. Non? Bah ouais. Ok, t'as acheté Trossard. Mais t'as revendu du Lestienne? C'est vrai que Trossard. Ouais, 12 millions, on laisse tomber. Hein. Ou alors faut l'échanger contre Lestienne. Ou un Poku, ou je sais pas. Il est tout. Ouais, ben 12 millions, c'est trop cher. Hein. T'as vu le budget du Standard pour commencer? On n'a pas un gros, on n'a pas un gros budget. Ah, t'as vendu un Poku. D'accord. Et t'as gardé Lestienne? Parce que Lestienne, il est pas top. Hein. Enfin, pour ma part, Lestienne n'est pas top. Hein. Il est où, un Poku? Il a quel âge? 26. Et Lestienne, il a 26 aussi. J'hésite. Ah oui, c'est ça le problème, c'est que l'Estienne, je peux pas le revendre. Regarde, c'est bloqué vu qu'il vient d'arriver. Ou alors je mets en milieu. Ouais. Je sais pas si je revends un Poku. Au pire, on va le mettre sur la liste. Et on verra bien combien on nous en propose. Là, on va jouer contre le Cercle de Bruges. Voilà notre joueur, notre nouveau joueur, il est dans la presse. Ah ouais, il terre. S'en fout. S'en fout. Bien arrivé. J'avais été voir ce gardien-là aussi à l'expéré. Mais il est trop cher. Offre de transfert pour Bodar. Ouais, j'ai revendu Bodar. Ah, offre de transfert pour un Poku déjà? Déjà. Ah oui, j'avais rejeté. Bah ouais, je l'avais rejeté. Au choix aussi, j'avais rejeté. Kabasele. Ah ouais, ça peut être pas mal, ça. Kabasele contre Kozanovic. C'est vrai que Kozanovic, je l'aime pas trop. Enfin, je l'aime pas. Je trouve qu'il est lent. Il n'a pas énormément de vitesse. On va essayer Kabasele. Bon, il a 27 ans quand même. Hein. On va essayer. Bon, allez. Et tu me proposes de mettre combien? Kozanovic, Kabasele, mais à mon avis, ils vont vouloir que je mette des sous en plus. Enfin, s'ils veulent bien, on va voir s'ils veulent bien. Ouais, ils veulent bien. Ok, jusque-là, ils veulent bien. Propose quoi? Combien? Parce qu'il nous reste que 6 300 000. Bon, 5 millions max en plus de Kozanovic, je pense. Ok. Échanger joueur. Arrière centre. Ouais, c'est centre, ouais. Ouais. Ah ouais! Ah ouais, il vaut que 2 millions quand même. Pourquoi il ne demande pas le montant? Moi je veux ajouter un montant. C'est une blague! Énorme blague, 15 millions! Il va en plus. Attends, on va contre-proposer quand même, hein, parce que là, il y a comme un petit problème quand même. Hein. Vas-y, je leur mets 1 euro. 1 euro symbolique.
Merde. Allez. 5 millions. 900 000 on va leur mettre. On va voir ce qu'ils veulent, d'accord, on va voir. Allez, putain. Quand je leur propose 5 900 000, on verra bien. S'ils sont d'accord, ils sont d'accord. Bon, à mon avis, ça m'étonnerait. Hein. Appliquer. Voilà. Ah là, ils vont sûrement refuser, mais bon. Maximum, hein. À mon avis, ils vont pas vouloir, à mon avis. Bah ouais, m'étonne. T'as vu avec tes canneries? Ils ont pas voulu. C'était à prévoir. Bah maintenant pour ça maintenant tu me proposes un autre défenseur en échange de Kozanovic, tu me proposes un autre défenseur. Voilà, t'as pas le choix, c'est ta faute, tu m'as mis dans la merde, bah tu te débrouilles. Voilà. C'est ta faute, tu te débrouilles maintenant. Tu trouves un autre défenseur talentueux. Sinon tu ne seras pas payé. Mon petit jeune, entraîneur adjoint là. Mon petit recruteur. Sinon il y a Denayer aussi. Ah ouais, Denayer. À mon avis, Denayer il va coûter la peau du cul aussi. Ah ouais, 23 ans Denayer quand même. Ah il est à Lyon. Ah oui, c'est vrai, il est à Lyon lui maintenant. On essaye Denayer. Ouais, ça m'étonnerait. Hein. Il a que 23 ans, il est jeune. Bon, Cabasele, on peut annuler. Enfin, quoique, on peut peut-être essayer un jour. On essaye. Chaud. Allez. Ah, mais non, on peut pas. Tant pis. Alors. Bon, tu me trouves un autre joueur, là. Ok, il me reste plus qu'une... 20 minutes, là. Sinon, ben, c'est pas grave, hein. On le fera demain. Alors, DC. Défenseur. DC. 20. 19. Alors, valise 20. On va faire 21 ans, 24 ans. On va aller en Ligue Belge, on va déjà voir ce qu'il y a. Braun. Michael Helen? Ouais, non. Pas grand chose, hein. On va partir peut-être en Ligue 1. Alors, Ibrahim Cissé. Ibrahim Cissé? Ouais. Tape, je vais juste faire un retour Windows et je vais aller voir sur mon site les jeunes talents. Voilà. Voilà, voilà. Alors, gardien, on s'en fout. DG, c'est fait. Voilà, les défenseurs centraux. Oh, y a qui? Tu trouves? Alors, y a Pérez. Il a 18 ans et il joue à Argentinos Junior. Il y a Boubacar Camara de l'OM. Ouais, pourquoi pas. Attends, je vais essayer de l'avoir, lui. Boubacar Camara, il a 71, c'est un jeune espoir. Mec, Koundé, là, DC 19 ans, c'est un jeune espoir. C'est un prometteur ou pas?
va essayer. Et je vais essayer Boubacar Camara de l'OM. 18 ans. Petit échange avec Kozanovic à moyen. Donc on essaye d'abord qui? Koundé ou Camara? Endurance, agressivité, lui. En détente. Ah mais non, mais arrête de me dire des noms des joueurs! Tu proposes qui là? On fait quoi? On fait quel défenseur? C'est un jeune espoir lui au moins. C'est un jeune espoir au moins. Ah ouais, 1m87 quand même. Potentiel 87. Ah, pas mal. Allez, on essaye. Il vaut mais combien? Enfin, tout ça, il vaut du demande. On va voir. Maximum combien? 5 millions? Pas plus? Bon, après, s'il nous note 15 millions, on a compris, hein. Environ 6 millions, ok. Essaye. On va déjà voir là combien il va me proposer. Parce que là, je le sens déjà mal. Il va sûrement me dire 15-20 millions. 2 millions? Bah, ça. 2 millions seulement? T'es chaud, le prend là? On fait même moins, 2 millions 500? Je le prends direct à ce prix là ou. Je baisse le prix là, 2 millions 500 000. T'en penses quoi? Risque pas le diable, ok. C'est fait. On a notre nouveau défenseur. Ah bah après il faut négocier avec, hein. J'espère que son salaire, ça va pas être un salaire de 20 000. C'est bien, on forme une bonne équipe, hein. Moi je suis le coach, j'entraîne, je joue, et toi tu es le directeur marketing des transferts. On lui met quoi? Rotation? On va lui mettre rotation quand même, hein. Voilà, c'est ça. Tu remplaces Olivier Renard. Peut-être que t'es meilleur qu'Olivier Renard, même en directeur sportif. Hein. T'as déjà pensé à mettre ton CV au standard? Pour le remplacer? Tu lui dis, je gère très bien en tant que directeur sportif sur FIFA, il y a plus de moyens de faire un test, je sais pas, hein, je négocie. LOL! Ignorer la clause. Ouais, c'est ça! 25 000, malade, c'est trop cher 25 000 pour un joueur comme ça. Non, non, moi je lui mets pas ça, moi. Retirer des primes déjà. Lui laisser 16 000, on va voir ce qu'il va me dire. Il a que 20 ans quand même, hein. Il n'a pas non plus 26, hein. Il n'a pas encore énormément d'expérience. Ah ben voilà, il s'est cassé.
Voilà, c'est trop tard, on peut plus la voir. Allez, salut, bonne soirée, à demain. Bon, c'est qui, Camara ou Condé? Ben non, je l'ai pas eu. J'ai bougé sa prime là de 10 matchs et il a refusé, il a fait oh non, pas d'accord. Ben non, je l'ai pas eu. Si je dis que je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Il a accepté? Attends, je vais voir. T'es sûr? T'es sûr qu'il a accepté? Ah ouais! Ah ouais, j'avais pas vu. Ah ouais, bah cool, voilà. Voilà, il a accepté. Je pensais qu'il n'a pas accepté en fait. Mais si, c'est bon, il a accepté avec son salaire de 16 000. Voilà, c'est bon là. On le fait jouer à côté de qui? Le Ndiawa? Après, je pourrais. Ouais, non, ça ne sert à rien. Par contre, Carcella sur le banc au dessus. Bah, il sert à rien. Il est nul. Il sert à rien, il est nul. Bah, c'est quand même bon, mais Aimon dans le jeu, je le trouve pas bon. La meilleure attaque, c'est Bastia Orlando de ça. Pour le moment, hein. Quand je joue avec, hein. Je paye pas leur salaire pour y a XD. Quoi, je revois Aimon alors et je garde tout l'arrêt. T'es chaud? On revoit Aimon. On se fait des sous en plus. Mettre Cavanda. Par contre, les siennes, je sais vraiment pas quoi en faire. C'est vrai que Marine il est sur le boss, c'est pas bon ça. Tu l'as vendu? Bah ok, bah on va le vendre aussi alors. Bon, et bon, t'es peut-être bon dans la vraie vie, mais dans le jeu, t'es pas top. Donc, au revoir. Bonne soirée, à demain. Merci d'être venu dans le club. Il est où, Aimon? Je le vois pas. Il est là en bas? Ah oui, il est en bas. Hop là. Bon, on fait un match? On fait le match ou on passe? Voilà, on va faire le match. En même temps, je vais tester le joystick de la manette. Tu as peut-être dû sauvegarder avant. Bah, c'est pas grave. Non, c'est bon, il fonctionne le joystick. Le joystick fonctionne, c'est parfait. Code le C. Ah oui, je sors en anglais. Today for you, it's Standard Liège against Circle Bruges. Standard Liège, Alan. I know you've been over there and seen them play. It's been a flying start for this side. 6 points out of 6, first two games, and a team that we expected to qualify for Europe. Still early days, but they're heading in the right direction. This is the home team lineup. The system that we think they're going to go with is 4-5-1. That one striker will need a bit of support. Yeah, you do not want him to be left isolated. Otherwise, this coordination will not work. And we can have a look now at the starting lineup for the visiting team. Well, we put this up as 4-4-2, but as you can see, three conventional midfield players and one just in front behind the main two attackers. Yeah, and that lad, I mean, he does like to get forward. I don't think he'd be so happy dropping into central midfield. He'll want to get in the box and join those lads up top if he can. Oh, make sure the pass wasn't completed. Such an important position in the modern game at fullback, and they've strengthened, haven't they, with this signing? Yeah, and I think you're always looking for athleticism when you're looking at your fullbacks, and this is a player that can get up and down all day. The shot's on. Truly outstanding. Il est chaud, Bastien. J'aime bien Bastien. Il est bon. Corner given. Swung in from the corner.
Ouh là-bas. Dommage. Working hard just to see maybe a sight of goal. Not a threat at the moment, but they have got the ball, and that I suppose is a threat. And here's the shot. Ah merde. See what he was trying to do, opening up his body to place it, but he's placed it wide, sadly for him. Ah, il avait le soleil dans les yeux, c'est normal qu'il a raté. Pas de sa faute. Orlando Sarr steered through. Coming up now, a corner. The ball's just deflected behind for that. Well, he must be pretty happy, this lad, because the manager has been spotting up how well he's playing, and he knows how well he's playing. Well, he does, and the trick is to continue. He's got his shot off now. That's voilà. Pretty straightforward for the keeper this time. BU pour remplacer mon Olianka. Ok. Oh. On va essayer après. Oh, it's an offside decision. Well, the players can't believe it, and neither can the crowd, but it's the right decision. Marin. Opportunity now. Ah, non! Je vais faire la face à Bastia. Well, they managed to dig themselves out of a pretty deep hole then. It was a great chance, I thought, but they're safe again. Saw the ball went for it to put them in front. Voilà, Orlando Sa. The better team at this stage of the match, and you wonder whether they would make that domination count. Well, they've done with this goal. Pas vraiment sa tête, mais bon. Thoroughly deserved. They lead. So the first goal, it's 1-0. Pourquoi mon saut est grésillé? Bah, Madame Ezra, je t'entends grésiller, toi aussi. Merci. Un petit. Quick-witted and quick in his movement too to intercept there. Marin. Now the possibility for a cross. Oh, ça fait deux fois que je rate le centre. Blocked here. Can find some space here on the flanks. Well, I don't know who the lad saw there passing the ball. Somebody in the crowd, maybe. Marcelo Gonzalez. Threading it through. Non, trop fort. Disappointed that that didn't lead to more. Tu sais que là je joue au champion, mais j'ai l'impression que c'est le champion, c'est pas du champion, je sais pas, je le sens pas moi. C'est comme sur foot. Sur foot, je joue au champion, ben je galère plus en pro qu'un champion. Le niveau de difficulté pour moi, il n'a rien à voir. Ah merde, je sais pas si c'était l'arbitre. Il est là, boss. They can spread the play now. Under challenge, that's good control. Got to be. Good block. Good distance to the clearance. Non, there. Non, Agbo. Trying to get the ball. Mercier. There's a dangerous feel to this attack. It's looking good from their point of view. Marin. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Well, the wide man can show his skills here. And that will end the threat, at least for the moment. No. Well, it's a tough place to visit this, but the away team today come here in good heart, Alan. They've won their last two games. Yeah, they should be in good heart. Don't you say it won't be easy. The shot's up! Ah! La tire à côté! Gone out for a throw. Marin. They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. It's not really away. Poor clearance. Shots on here. They're taking up their positions now to deal with this corner when it comes in. In goes the corner.
cleared away by the defender. Orlando Sarr. This might be it. Well, that could be the insurance goal here. That little bit of daylight that they were after. Hello. Well, he got to the position of maximum opportunity. It was an impossible opportunity to squander. Yeah, we often say it was an easy chance, but you have got to be there. And this lad has got the knack of doing that. Rashford, la merde. A lot of defenders between them and the goal, but they've still got the ball. Voilà, 2-0 à la mi-temps. Enfin, petit changement ou pas? Non, pas nécessairement. Quoique Agbo, c'est vrai que je le sens pas chaud hein, dans ce match. Ah merde, il est sur... Oh, je l'ai laissé en réserve, le pauvre. Le nouveau DC. Tant pis. Alors, on laisse comme ça. Bon, on laisse comme ça, on verra bien. On changera peut-être Genepo après. So we're all set for the second half. Good football between these two. Nice passing. Good defensive clearance there. He can cross it now. Up for grabs here. Oh, la parade de choix. Regardez-vous, c'était pour les caméras. Liverpool have been making it clear for some time now that they wanted to strengthen their squad, and they've done that with this deal. Well, he arrives with a reputation and a bit of a price tag now, around £50 million. Can he handle it? Il a dit quoi en anglais la peine, il a parlé de d'argent, mais je n'ai pas compris. Lol. Well, how defensive have they become at the moment? Just sitting in their own half and letting the opposition pass the ball in front of them. Maybe they feel they're not going to be hurt. We've got the away manager indicating he wants to make a substitution now. Could get the ball into the box now. Good vision. Well, he has cleared the danger. Casella Gonzalez. Crafting the through pass. Casella Gonzalez. Very comfortable for the keeper. Alors, différent de retourner. We've reached the hour mark. Half an hour to go. Looking for a through ball. That is one of the great saves. Had no right to stop that. No right to get a hand on it. What a stop. C'est raté, Bastien, là. Saw that come. He's got his shot off now. And that is quite a wild effort at goal, although he got good contact on the ball. Well, now they're behind. They've got to try and switch things around. And here comes a substitution. Defending from him. Il est pas chaud là, il est pas chaud Bastien là. Je sais pas ce qu'il a mais il est pas trop chaud. The home team about to make a change. Challenge inside. Ah, il est pas chaud Bastien là. That's really the way to get the ball out of the danger zone. Well, the crowd applauding as he's been taken off the wing. And his teammates applauding as well. That's the ultimate accolade, isn't it? He's had a very good game. Oh, he has. He had all the tricks in his locker.
putting some really good crosses that his strikers were grateful for. Well, then it goes. You can see what he was trying to do, but the defender in the way. Good work, really, to read the intention of the pass. Really getting at the opposition this far up the pitch now. Just working away to try and find an opening. Casella Gonzalez! Lol. Great work by the goalkeeper. The ball is his and he's made sure he's protected it. It's one back. We're giving it straight to the opposition. It goes out wide again. Ah, il s'est fait bouffer. Bon, en même temps, il vient derrière la petite. This is promising. Trying too hard, hitting the ball too hard, and it's way out for a throw. Well, they are behind, so it's time for a change. They've got to try and improve their performance somehow. Et merde. So we're coming down now towards the last 15 minutes. Ok. Bah putain, ce sera un but quand tu pars. Oh, talk about a dramatic appearance there from the substitute. Brilliant goal from him. Ok, bah bonjour à toi, Roro. De toute façon, je finis le match et puis j'arrête le live. Bon, attends, on va gagner. Hein. Oh putain, il a pas de chance avec Carcella. Normal que ça joue comme ça. He's got some room out here in the wide position. This might be an opportunity to get level. C'est chaud là, le sac de Bruges. Parce qu'ils ont mangé, mais. Give him another chance. I think he'll took that away. Ah, ça c'est fait. Wow, de toute façon, ils gagneront pas. Gets his foot in there. It's going to go right to the wire here with this one goal lead. And the supporters, well, they've upped their game. There's no question about that. Just listen to them. Yeah, they've been brilliant. But it's been a close game. And you wouldn't put it past the visitors to... Ouais, il n'a pas de chance, Carcella. Il n'a pas de chance. That's out of danger there with that clearance. Ah oh, mais non, chaque fois j'essaie de rouler mais je roule mal. Orlando Sá, Casella Gonzalez. Ah non. That's good defending. Really had to deal with that. Could have really. Must score. Very, very close. Just past the post. Well, I think half the crowd, you know, thought that was going to nestle in the corner of the net there. Well, I did, you net so. En anglais, ouais, d'accord. Je fais deux choix, ils sautent en l'air. Oh, bon, vas-y. Two minutes left, that's added time. There's some potential in this move. Good run towards the near post. Oh, that's good defending. He's got a chance to cross. Marin. That shot's blocked very quickly. Well, they're looking for yet another goal from the corner. He's put in the corner. Got his head to it well, but no power. Well, to get there first, to find some space. But... And the referee brings it to a halt. They show, quand même, they show. Bon alors il m'a dit n'oublie pas Olinka. Bon, on va essayer. On va essayer Olinka. Ah, offre de prêt pour Gilet. Tombe bien. 135 000. Bah on va accepter. Hop, voilà. À 40 000 maintenant.
tranquille. Je me sens en pleine forme. Bah oui. Rapport final. Ah, Camara Boubacar. Ah ouais, c'est vrai. Mais 4 400 000 Boubacar. 71 général. Ah ouais, pas mal. Et lui? Pas encore fini, lui. Ah oui, Boubacar, il vaut la peine aussi. Hein. On peut lui péter, on peut lui casser sa clause ou pas? Ah, offre de prêt pour Karinas. 3 millions seulement? Oh non, je le garde, à ce prix-là, je le garde. Un pour final de Benavente, 5 millions, 13 000. Ouais, lui, ça va, il vaut la peine. Ah. Bon, allez. Je vais arrêter live ici. J'espère que ça vous aura plu. Là, pour moi, on est toujours dans les... dans le bon. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. De mettre deux nouvelles recrues. Qu'il s'agit de Boscagli. 70 ou 70 pour les Français, suivi de Fight de Tottenham en échange à Kozanovic. D'ailleurs, on va le faire jouer. Donc voilà, je vais sauvegarder, c'est ici que je vais m'arrêter. Et on se retrouve pour sur moi demain. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Peace.